The Assembly will now hear an address by His Excellency Faura Isuzumna Gansampi, President of the Congolese Republic. Monsieur le co-président, mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, monsieur le secrétaire général, distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi, au moment où je prends la parole, de saluer le pas important que vient de faire la grande famille des Nations Unies en se dotant d'une vision globale du développement post-2015. Même s'ils sont modestes et inégaux, les progrès que les régions concernées ont pu accomplir à ce jour nous ouvrent la voie pour aborder avec une vitalité renouvelée les nouveaux objectifs de développement durable que nous nous fixons aujourd'hui. Le premier facteur de succès pour la réalisation de ces nouveaux objectifs et leur appropriation par les peuples que nous représentons à ce sommet. Nous devons les adapter à nos contextes régionaux et nationaux et à la diversité de nos cultures si nous voulons réaliser pleinement notre agenda. Je me réjouis dans cette optique que Sa Sainteté, le Pape François, ait pu partager ce matin, avec générosité, sa juste vision des exigences morales, humaines et religieuses que nous ne devons pas perdre de vue dans notre quête d'un développement durable et partagé. Dans la même perspective, nous devons prêter une oreille attentive à l'appel pressant lancé en juin 2015 par les évêques d'Afrique et de Madagascar. À travers cet appel, ils expriment leur conviction que le développement auquel aspirent ardemment nos populations ne saurait se faire au détriment de leurs valeurs fondamentales, notamment en ce qui concerne la vie et la famille. Voilà pourquoi les évêques d'Afrique et de Madagascar nous proposent une vision plus intégrale de la personne humaine qui prenne en compte le riche patrimoine culturel de l'Afrique ainsi que les valeurs morales auxquelles elle reste attachée. Mesdames et messieurs, quels que soient les résultats obtenus par nos pays pris individuellement dans la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement, le plus important aujourd'hui est sans doute de savoir prendre appui sur la somme des expériences des uns et des autres pour nous projeter résolument dans l'avenir. Je voudrais, dans cette optique, exprimer toute ma gratitude à notre organisation commune pour avoir associé mon pays, le Togo, au processus de préparation de l'agenda de développement post-2015. Nous nous réjouissons tout particulièrement d'avoir été choisis avec Belize comme pays pilote pour l'expérimentation de la nouvelle approche en matière de planification intégrant le développement durable. Grâce à cette initiative, le Togo a pu accompagner la réflexion sur l'agenda 2022. Il a consolidé également son programme national de renforcement des capacités et de modernisation de l'État en vue d'un développement durable. L'expérience togolaise dans ce domaine a démontré une fois encore
que le développement repose pour l'essentiel sur le facteur humain. C'est pourquoi nous avons résolu d'inscrire dans la durée nos efforts de renforcement des capacités des acteurs du développement, et ce, à tous les niveaux. Mesdames et messieurs, permettez-moi enfin de rappeler combien nos destins sont aujourd'hui liés. L'efficacité de l'effort national de développement dépend aussi de l'environnement international. Elle dépend de notre aptitude à réaliser les prérequis sécuritaires sans lesquels aucune action durable ne peut être envisagée. Lorsque l'on examine ce que l'insécurité maritime coûte à nos économies, ainsi que les risques environnementaux majeurs qui planent sur nos espaces marins, une seule conclusion s'impose. La mer, les océans sont au cœur même des enjeux du développement durable. C'est en partant de ce constat que la Commission de l'Union africaine et le Togo ont convenu d'organiser en 2016 un sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine entièrement consacré à la sécurité et à la sûreté maritime ainsi qu'au développement en Afrique. Je saisis donc l'occasion que m'offre cette tribune pour vous convier à rester mobilisés pour que le sommet de Lomé, que nous préparons activement, soit une réussite. J'ai la conviction profonde que ce succès nous permettra de faire un bond qualitatif vers la réalisation de nos objectifs de développement durable. Je vous remercie de votre aimable attention. I thank the President of Togo for his statement.